Bonjour, bienvenue dans cette conférence digitale Home Sweet Home, le nouveau lieu d'achat. Le Covid a changé pas mal de choses hein, de nos comportements, dans nos comportements de, de, de consommateurs. Et d'ailleurs, la Post Solution Business a, a mené une étude sur ce, sur ce sujet. Résultat, 86% des décisions d'achat se prennent désormais au domicile. Alors, elles se prenaient déjà en partie, mais là, on voit, c'est un lieu qui devient réconfortant par excellence. On marque maintenant de savoir comment gérer, comment adresser, comment cibler ce client, le capter, capter son attention quand il est chez lui, le fidéliser, tout ce que vous connaissez évidemment dans la communication et la relation client. Alors, on va être ensemble pendant une trentaine de minutes avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Samira Boigny, bonjour. Bonjour. Samira, merci d'être avec nous, directrice marketing de la Poste Solution Business. Avec nous également Romain Sabatier. Bonjour Romain. Bonjour. Directeur e-commerce et omnicanal global chez Etam, donc la marque de lingerie. Maxime Brun, bonjour. Bonjour. Maxime, directeur expérience, engagement et marketing client chez Fnac Darty. Et avec nous également Pierre Lecointe. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des produits connectés et de l'engagement client Stellantis. Alors, je vais démarrer avec vous, Samira. Euh, on a intitulé cette conférence euh, Home Suite Home, le nouveau lieu d'achat. Alors, je l'ai dit, les consommateurs ont toujours beaucoup acheté depuis leur foyer. Bon, c'est vrai qu'avec le mobile, on, on se permet d'aller un, un peu ailleurs qu'à sa maison pour, pour acheter. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à ces comportements alors ce qu'on voit, vous avez raison, c'est que les comportements et les parcours d'achat ont énormément évolué ces dernières années. Alors le e-commerce, l'explosion, fait qu'aujourd'hui, ben, on achète directement depuis son canapé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui également, c'est qu'avec le confinement, le télétravail, euh, la crise aussi, hein, qui perturbe un petit peu les parcours d'achat, des, des cycles de décision un petit peu longs, on interroge les proches, on veut avoir une offre qui soit la plus complète possible. Et c'est là où on constate que le domicile apporte une solution aux marques. Pourquoi Parce que... Le domicile, donc le home, c'est un endroit, c'est le petit cocon, c'est l'endroit le, refuge. Mmh. C'est là où naissent les projets. Hein. Les études que nous avons menées montrent aussi que 94% des Français ont eu des projets, alors des voitures, de la lingerie, des télés, oh. ces six derniers mois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent avec leurs proches. Et de plus en plus, hein, 98% d'entre eux nous disent sur ces projets, je partage avec mes proches pour prendre donc, ma décision. Donc, il faut être en famille. Donc finalement, le home sweet home, le domicile, c'est à la fois le lieu d'attention, le lieu de partage, et le lieu d'achat de nos Français. Et donc allez, les marques doivent investir. Oui, allez, les marques doivent investir. Et justement, on va parler, on va parler avec trop, les trois marques qui sont avec nous, Etam, Darty et Stellantis. Alors, Romain, avec Etam, vous disposez d'un réseau retail hein, que, que l'on connaît. On va se concentrer sur la marque Etam, parce qu'on sait que le, le groupe Etam, c'est Maison 1, 2, 3, c'est 10, enfin là, il y a beaucoup d'autres marques. Et là, on va parler d'Etam. Alors, parmi les axes stratégiques qui répondent avec lesquels vous essayez de répondre au mieux sur les, les comportements consommateurs, c'est orienter le plus efficacement possible les clients vers, vers un point de vente physique, tout en optimisant voilà, c est, c est son expérience grâce aux divers canaux, canaux, divers canaux numériques disponibles. Alors comment vous répondez justement à ces nouveaux comportements euh, digitaux, euh, magasins, où vous, on engage un peu le consommateur à domicile ben Finalement, je considère que chez Etam, on a un peu le meilleur des deux mondes, entre un réseau retail historique très fort mm -hmm. et un digital qui se veut de plus en plus fort. Et finalement, on a travaillé ces dernières années, euh, accélérées par le Covid notamment, sur euh, beaucoup de parcours de bon sens, tout simplement. Quand aujourd'hui, on est quasiment un magasin de proximité, c'est comment, euh, sur des parcours type click and collect, ou ne serait-ce que les retours, comment on arrive à rediriger vers le magasin Et quand je dis de bon sens, c'est que, par exemple, le click and collect, c'est tout simplement le moyen de livraison des <coughs> deux, un, le plus rapide, mmh. mais qui est surtout gratuit. Donc, euh, c'est pareil pour les retours. Euh, et on a très souvent la facilité à trouver un magasin proche de chez soi. Et après, ce qui a été... Euh, Finalement, assez génial avec le Covid, c'est qu'on a aussi accéléré, c'est pour capter l'attention de la cliente à domicile. Et je citerais peut-être juste un projet qui a été de mettre en fait à disposition l'offre magasin en ligne pour avoir un stock complètement unifié. Mmh. Justement, être sûr de pouvoir s'adresser à la cliente, même quand elle est chez elle, de la, la manière la plus optimale possible. Oui, c'est ça. Il faut réussir à trouver le. le, le adresser la même par, personne, voilà, sur plusieurs canaux. Hein, c'est quand même ça l'idée euh, de, de, de base. Et du coup, on a un gros sujet de comment on réconcilie les parcours omnicanaux Une fois qu'il s'est passé une première étape en ligne, comment, une fois arrivé en magasin, la vendeuse va avoir accès à cette information, mm -hmm. à cette donnée, pour accueillir la personne de manière beaucoup plus, bah, de un personnalisée, et de deux, deux, surtout de plus en plus fluide, parce que je pense que c'est un des enjeux qu'on a travaillé d'ailleurs. Enfin, toutes nos marques autour de la table, donc euh, voilà, fluidité et personnalisation, c'est un peu les maîtres mots. Justement. Oui, c'est ce qu'on remarque tout le temps Et l'engagement aussi derrière tout ça. Euh, Maxime, chez Fnac d'Artier, alors il est loin le temps où on... On allait voir un vendeur, il nous expliquait tout ce qu'il fallait sur le produit et on retournait chez soi pour acheter sur Internet. Maintenant, tout ça a changé. Et justement, l'une des premières réponses par rapport à ces nouveaux comportements, c'est le conseil visio. Vous allez nous raconter ça. Je trouve ça assez, assez intelligent d'ailleurs quand on euh, bah pour, pour être aussi client chez chacun d'entre vous, mais la plus dernièrement chez, chez, chez Fnac Darty. Et derrière ça, comment vous réussissez à rentrer en contact avec de nouveaux clients, à, à réactiver d'anciens clients Parce que c'est sûr, on achète un frigo. Pas chaque année. Non, <laughs> voilà, il y a des gens qu'on voit. Alors, même s'ils vendaient tout un tas de produits, mmh. voilà, on ne revient pas forcément régulièrement. Déjà, le conseil Visio Alors, déjà, il existe encore le temps où on va en magasin oui. pour parler à un vendeur et c'est la majorité des cas. Hein. Mais, oui. euh, mais effectivement, tu parlais de bon sens tout à l'heure. Euh, euh, le bon sens, quand on se parle de, 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 de digitalisation de la décision de l'acte d'achat, c'est de pouvoir rendre la décision de l'acte d'achat possible aussi bien sur Internet que dans nos magasins. Et nous, ce qui aide beaucoup dans, 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 dans l'aide au clients de manière générale, c'est le conseil du vendeur, c'est l'expertise mm -hmm. du vendeur. Et donc, tout simplement, on s'est dit, il faut que sur nos plateformes web, le client puisse accéder, depuis chez lui en l'occurrence, oui. <laughs> euh, au conseil d'un vendeur. Parce que quand on leur demande à, à qui vous voulez parler, ils veulent parler à un vendeur. Et donc, euh, on donne la possibilité de parler en chat ou en visio avec un vendeur qui est en magasin, qui va pouvoir montrer euh, l'appareil dont il est en train de parler depuis son canapé. Et qui n'est pas forcément le vendeur du, du magasin euh, Projet C chez soi. Non, exactement. C'est un Donc vendeur n'importe où plateforme, en France. on appelle... Tout à fait. C'est un vendeur n'importe où en France. Euh, C'est ce qui fait l'échelle euh, du dispositif. Ouais, Aujourd'hui, oui, on est, ça, est, est entre 4 et 500 ouais. 000 conversations tous les ans pour nos clients à distance euh, réalisées par nos vendeurs. Et on remarque que sur ces conversations-là, entre un client ou un visiteur qui était sur nos plateformes et qui, qui s'est juste baladé... Par rapport à un visiteur qui a parlé à un vendeur, on va multiplier nos taux de transformation oui. par 4 ou 5. Et c'est comme ça que vous réussissez donc à, à, à adresser de nouveaux clients à, à, ou à réactiver ces, des, enfin, des clients qui, sont, qui viennent de façon plus sporadique Exactement. Quand, quand on concrétise 4 ou 5 fois mieux euh, un passage sur nos sites web, on se dit que c'est des clients qui sont soit nouveaux, soit qui seraient potentiellement partis à la concurrence, qu'on a réussi à garder chez nous euh, sur cet acte d'achat. Alors, euh, Pierre Lecointre, C'est s'élance. What challenge vous c'est de retrouver, euh, enfin pour le pour tous, c'est retrouver une relation directe avec les clients, de mieux comprendre leur, leurs usages, d'accroître la vente en ligne, vous adapter à nos comportements aussi en termes de, euh, de nouvelles nouvelle mobilité. Euh, comment vous faites aujourd'hui le, le but c'est ça, hein, c'est d'être plus en contact, ce contact direct avec le client. Oui, tout à fait. C'est un des, un des grands sujets. Euh, je pense qu'on peut commencer par un. Un exemple qu'on a en commun avec Fnac Darty, on a sorti, on a sorti Citroën a sorti la, la Citroën Ami il y a trois ans mm -hmm. maintenant. Ah bah oui, qu pouvait... Et quand on l'a sorti, on l'a sorti exclusivement en vente en ligne et sur le réseau Fnac Darty. Mm -hmm. Et aujourd'hui, trois ans après, c'est à peu près 40 000 ventes de ce quadricycle-là. Donc c'est un succès qui est, qui est formidable. Et donc il y a un, un bon exemple de combinaison entre innovation produit et nouveau parcours d'achat finalement. Et si, si, si on prend du recul sur Stellantis, l'objectif en 2030, c'est d'atteindre un véhicule sur trois qui sera vendu en ligne. Depuis votre home sweet home. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc une transformation qui est, qui est majeure. Ça va représenter une centaine de milliards d'euros mm -hmm. de revenus euh, par an, ces, ces ventes en ligne, du coup, tout en s'appuyant sur le réseau. Mais du coup, on fait d'une part euh, évoluer l'expérience d'achat en ligne pour la oui. rendre plus efficace pour les clients, plus transparente, plus fluide. Mm -hmm. euh, et on, donc, on investit beaucoup sur, sur, sur ce canal-là. Et d'autre part, on, a, on est en train de changer. Et il y a trois, premiers, trois, quatre premiers pays actifs sur un nouveau modèle de distribution qui continue à s'appuyer sur le réseau, mais où on vend en direct. Et mm -hmm. donc, on passe d'un modèle, et c'est majeur, on oui. passe d'un modèle B to B to C oui. à un modèle B to C. Oui, on passait par la concession, par le, le garage, et, puis, et, et là, c'est ce qui change. Alors, ça change aussi culturellement, aussi. Enfin pour, pour, pour tout le monde, que ce soit pour côté, côté Stellantis ou côté, euh, côté des, des concessions des agents commerciaux Pour Stellantis, nos clients euh, historiques, finalement, c'est le côté B2B où on vend à des concessionnaires. Et là, ça devient, euh, je vends à tout le monde, aux entreprises, aux particuliers, en s'appuyant sur mmh. le réseau de distribution toujours, puisque si on vend un tiers en ligne, on va continuer à vendre deux tiers. À, en, en concession. Oui, puis, mais l'orchestration est différente. Mais oui, c'est un changement qui est fondamental pour, pour l'industrie. Et puis derrière, c'est ça, ces nouveaux comportements, hein, ces nouvelles générations qui arrivent. Parce que je pense qu'on continuera quand même à acheter des voitures. On, on se posait la question à un moment, mais je crois que euh, de, de, sur le, le mode de, de location, c'était dit. J'entendais il y a 5 ans, disant, vous savez, dans 10 ans, les jeunes n'achèteront plus de voitures. On voit quand même que ça reste. Quand même un bien que l'on veut avoir à soi. Euh, Samira, par rapport à tous ces changements, le caractère omnicanal donc des échanges, mm -hmm. on l'a bien vu euh, là entre les marques, les consommateurs. Comment on les atteint de façon plus efficace Et évidemment, là, j'en viens aux enjeux de la data, et on va plonger dans, dans ce sujet-là. Ouais, exactement la data qui est hyper importante. Mais là, ce qu'on voit, et je voudrais vraiment venir dessus, c'est on voit vraiment le domicile qui est de plus en plus important aujourd'hui. On transforme les modèles. Hein, on veut euh, atteindre ces cibles. Pour faire connaître l'ouverture d'un nouveau magasin ou d'un défilé, pour faire venir également en magasin ou bien pour donner du conseil sur des, des points de vente ou pour vendre des voitures, hein, j'entends avec Pierre. Mais, mais il faut quand même rappeler un point qui est important de contexte aujourd'hui, c'est la crise de l'attention. Et je voudrais mmh. revenir dessus parce qu'on a tous des ambitions très grandes. Mais aujourd'hui, ce qui se confirme, c'est la crise de l'attention. Quand même, un consommateur, nous sommes tous confrontés à plus de 1500 stimuli publicitaires par jour. On est sursollicité en continu. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nos marques, nos annonceurs, ben, elles doivent marquer des points. Elles doivent sortir du lot. Hein. Le consommateur, à la fois, il veut qu'on protège hein, un peu euh, mm -hmm. ses droits fondamentaux et en même temps, il me dit, bah, montre-moi que tu me connais, moi, je veux des messages hyper pertinents quand je suis réceptif, quand j'ai envie de les atteindre. Et c'est là où la data prend tout son sens. La data, c'est le meilleur outil pour cibler, capter, engager et être vraiment sur des messages ciblés. Je te parle quand tu es attentif sur les bons messages, sur des sujets qui t'intéressent à ce moment-là. Et c'est grâce à une data hyper riche et, euh, et fraîche. Et donc la Post Solution Business, nous, on, on travaille vraiment sur des solutions hybrides, c'est-à-dire euh, qui combinent à la fois les outils digitaux. Et le courrier, hein, le, le print, le oui, papier, ça reste comment... euh, important. qui reste hein, le média de l'attention. En mm -hmm. réalité, le courrier, c'est le média de l'attention. Moi, je voudrais juste vous citer quelques chiffres. On a mené très récemment une étude Balmétrie, parce qu'à la Post-Solution Business, on a besoin d'avoir des convictions, mais appuyées par des chiffres et de la data. Et donc, l'étude Balmétrie, qui date de 2023, elle montre que 50% des gens déclarent en 2023 avoir lu un courrier publicitaire en pleine conscience. Pleine conscience, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai rien fait d'autre pendant ce temps-là. Alors qu'on sait que bah, les mails y passent, les newsletters elles passent. Donc ça, c'est vraiment le média où les gens sont en pleine conscience pour une durée moyenne de 4 minutes. C'est incroyable, en fait. C'est vraiment, les gens sont là, ils regardent. C'est aussi le média qui a un taux de mémorisation unique, en fait. On est sur un taux de mémorisation de 68-69%. Je crois que les médias traditionnels les plus élevés, ils sont mmh. à 30%. Donc, globalement, le, le courrier, ce qu'on dit, c'est que, un, on le lit en pleine conscience. Donc, euh, je suis réceptif quand tu m'envoies un message pour l'ouverture d'un magasin ou, euh, ou pour un produit Fnac ou pour... Euh, une nouvelle voiture, je suis réceptive, je suis là et je ne fais rien d'autre, ce qui est assez rare. Et puis voilà, pour nous le média, c'est vraiment le courrier, c'est le média qui reste. Hein. Voilà. Ça, ça reste sur façon. le salon, ça reste. <laughs> et il y a 50% des gens qui disent son souvenir dans les trois mois. Et donc, qu'est-ce que, ça, en quoi ça intéresse les marques Ça intéresse les marques parce qu'elles peuvent capter, elles peuvent vraiment cibler grâce à cette data. Elles captent l'attention et surtout ce qu'on voit, c'est que quand on a envoyé un courrier à une cible, un prospect ou un client ou un VIP, hein, si on veut aussi l'inviter sur le chouchouter mmh. l'inviter sur un événement clé, on voit en fait que les cycles de vente sont plus longs. C'est-à-dire que bah, sur du, de l'email, on le sait traditionnellement, les cycles, c'est 24-48 heures hein, de, de vente. Sur, hein, sur un courrier, c'est plus. plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est en ça qu'il est intéressant pour les marques hein, qui veulent... Des points et, pour tout leur ça, et tout ça, les cibler grâce à la data. Justement, Romain sur la data, vous avez un programme de fidélité, notamment qui est assez intéressant. Donc, les, les ou vendeurs ou vendeuses en magasin ont, ont une app, enfin une application, et ils peuvent faire le lien comme ça entre le ticket, le programme de fidélisation. Alors, qu'est-ce que vous faites de toute cette data recueillie Comment vous, vous bâtissez justement votre relation client et, et vous essayez de rendre ben, le fluide, personnalisable, enfin, tout ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure. Déjà, effectivement, euh, lors d'un achat en magasin, on a quasiment 80% des tickets qui sont rattachés à un compte fidélité. Mm -hmm. On a la chance d'avoir ce programme-là euh, programme qui, qui est central dans tout ce qu'on fait. Et finalement, si je prends l'exemple de data euh, qui, vont, euh, qui vont intervenir et qui vont être primordiales dans un parcours euh, home sweet home, comme on l'appelle, si je prends la donnée de sizing par exemple, on parle en lingerie d'un produit qui est quand même assez complexe, où le bien-aller le bien est absolument central dans l'achat. Et du coup, quand vous avez par exemple fait un parcours magasin, que vous êtes fait mesurer, que vous êtes fait chouchouter pour reprendre tes mots par exemple, l'enjeu demain, si vous voulez acheter de nouveau par exemple un soutien-gorge, c'est comment vous réaccédez vous en tant que cliente à cette donnée mm -hmm. Et si deux ans plus tard vous revenez acheter chez nous, même un an plus tard, et que par exemple votre taille a changé, vous pourrez retrouver ce que vous achetez aussi bien sur votre profil en ligne qu'avec au contact d'une vendeuse, retrouver ce que vous avez acheté, retrouver les tailles que vous euh, que, qui vous allait le mieux. Donc, c'est cette connaissance client. Quoi. Exactement, c'est vraiment la connaissance client pour aller dans le sens euh, du produit et surtout du, du bien-aller-cliente. Et comment vous réussissez aussi à faire, euh, euh, comment dirais-je, renforcer le désir d'achat Alors, or, évidemment, il y a les promotions de Noël, les soldes, etc. Mais comment vous réussissez voilà, à continuer On parler de courriers qui arrivent où les gens sont un peu plus conscients, là, sur du courrier papier, mais sur des emails aussi, on, on, on lit, on s'y intéresse. Et, et comment on y est sans, sans avoir en bas Et si vous, si vous cliquez tout de suite, c'est euh, moins 30%. Finalement, au-delà de parler des supports et des canaux de communication, je pense que ce qui est hyper important, c'est le fond, tout simplement. C'est pour ça que je pense que ETAM est une des marques euh, de masse, pour le dire, enfin, qui, est, qui a un réseau et qui a, qui a une aura, qui a une autorité qui est énorme. Et pourtant, on arrive quand même à sortir du lot avec, avec des événements très forts, par exemple le défilé qui a eu lieu le 26 septembre mmh. dernier, où finalement c'est ce fond là et ces événements-là qui vont réussir à marquer. Euh, qui vont marquer la cliente, qui vont euh, permettre d'émerger dans Il y a un défilé physique avec du, du public, et puis derrière, vous découpez tout ça, vous postez ça sur les réseaux sociaux, et par vous exemple. créez ce lien. Quoi. Exactement. Et, par exemple, sur, et on capitalise sur des événements forts comme ça, justement, pour capter l'attention. Mm -hmm. Après, je pense que ce qui reste primordial, c'est bien sûr le produit. Par exemple, là, on lance euh, des capsules qui vont se renouveler toutes les deux semaines, et c'est via euh, ce renouvellement permanent et un produit... Euh, un produit euh, euh, un produit de qualité et avec une nouveauté euh, fréquente, qu'on va réussir à émerger dans un contexte et dans un, dans un marché qui est, qui, est, qui est très souvent saturé. Maxime, chef Fnacderti, justement, vous utilisez évidemment cette, euh, cette data hein, qui vient de. Alors, il y a des programmes de fidélité, il y a les clients en magasin, il y a ceux qui sont en ligne. Et puis, vous, vous, vous activez, alors, c'est la, la, la valeur de la vie du client, la, la CLTV. Alors, expliquez-nous comment vous personnalisez tout ça, puis aussi comment vous adressez à ces clients. C'est du. Alors, il y a des promos et tout ça, mais c'est aussi de l'éditorial. Enfin, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a des invitations, des événements vieilles, puis un peu genre, le défilé. Oui, justement, c'est vrai que dans le groupe Fnac Darty, on a la chance d'avoir un gisement de data qui est énorme, mm -hmm. euh, parce qu'on a 40 millions de clients tous les ans. Euh, parmi ces 40 millions, il y a une dizaine de millions qui sont particulièrement engagés dans nos programmes d'engagement, justement euh, l'adhésion à la carte Fnac Plus chez Fnac, Darty Max chez Darty. Et donc, on a à la fois une masse, et en plus, on a une diversité de données, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent en magasin sur le web, il y a des gens qui se font livrer, il y a des gens qui font réparer des produits. Donc tout ça donne un spectre très complet de la manière dont nos clients vivent leur foyer mm -hmm. euh, via, via nos enseignes. Euh, donc de cette chance-là, nous, on a, on a, je dirais, deux principes majeurs sur la manière de l'utiliser. Le premier, c'est la clarté et la transparence euh, auprès de nos clients. Et on a fait un travail assez fouillé sur la manière dont on explique aux clients cette donnée-là. On vous la demande pour faire ça. Mm -hmm. Et en revanche, si vous voulez arrêter de nous la donner. C'est par très rapport facile. à la data. Ouais. Voilà. Et donc, on a beaucoup communiqué sur un moto qui était euh, donner ces données et les reprendre, c'est OK. Donc, oui. ça <laughs> vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, euh, on, on, a, on a rendu facile et transparent euh, ce, ce que voulait dire la donnée. Et le deuxième principe, c'est la personnalisation. C'est vrai qu'on s'en parle beaucoup. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Via la data, via euh, euh, la personnalisation fine du contenu, effectivement, qu'il soit relationnel sur euh, comment entretenir un. un un, un frigo par exemple ou plus commercial euh, et donc ça peut être un chiffre à retenir sur cette année c'est 100 millions euh, sur le canal email par exemple cette année on a envoyé 100 millions d'e-mails en moins que l'année dernière mm -hmm. à la même date en gagnant en performance ouais. donc on est sur un triptyque gagnant en fait on a euh, le, le client pour qui c'est gagnant parce qu'il est moins sollicité il est plus attentif parce qu'il reçoit moins de mails euh, c'est bon pour la planète, on connaît oui, l'impact de CO2 de, de, des mails, oui. et c'est bon pour nous parce qu'à la fois on fidélise nos clients avec une approche qualitative, et en plus on ne perd pas en performance. Euh, Pierre, chez Stellantis, sur vous, tra vous travaillez justement autour de cette, de cette data, comment elle vous sert à communiquer donc plus efficacement vers vos clients, vos prospects Alors aujourd'hui, Stellantis, les canaux de communication médias principaux, ça reste la télé. Et le digital. Mm -hmm. Et le digital a dépassé la télé, ce qui est pas anodin pour oui. pour les marques automobiles qui 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 communiquent beaucoup par ce par ce média. On a 14 marques automobiles au sein de Celentis, um, mais finalement on suit l'usage et l'audience de nos clients, et du coup on utilise plus de digital. Et du coup, on a davantage de data accessible euh, via un certain nombre de plateformes qu'on peut mm -hmm. utiliser qui permettent à chacune des marques de s'y retrouver et d'adresser leur propre message à leurs propres clients de manière beaucoup plus ciblée et efficace. Donc, je pense qu'on on vise l'efficacité, ça fait partie du, mm -hmm. de l'ADN de Celentis, et c'est pour ça qu'on est euh, parmi les champions de la marge opérationnelle. Ouais. Euh, et on a publié nos résultats récemment. Donc la tendance finalement, c'est d'éviter la saturation et euh, Samira, Maxime l'ont bien dit, on est sur sollicité. Donc on va avoir tendance à faire très attention, à suivre des modèles économiques, économétriques, qui nous permettent de, finalement de faire avec moins. Et effectivement d'éviter les, 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 les saturations rappelle, de doser la, la répétition. La communication elle se fait sur l'achat d'une voiture mais après ça peut être sur l'entretien le, de la voiture sur tiens il est peut-être temps de changer vos pneus tiens euh, l'hiver arrive peut-être si vous habitez dans des régions certaines régions euh, mettez des pneus neige, changez vos ». c'est tout ça hein, c'est de... si on fait Donc... un peu moins de médias il faut qu'on compense par nos propres canaux mm -hmm. nos propres canaux CRM effectivement avec notre propre connaissance client et connaissance directe qu'on a avec nos clients mais aussi via nos véhicules connectés. Mmh. Euh, et là, ça crée un, un, un lien, là encore, direct avec nos clients et qui nous permet pas d'adresser de, de, des messages marketing, mais des messages utiles pour chacun des clients qui a besoin d'entretenir sa voiture, de changer sa voiture, de... de, 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 de L'hiver je... arrive, voilà ce à quoi il faut faire attention. On va travailler sur la, la maintenance préventive, on travaille sur les services connectés autour de tout ça. Et puis sur un volume de, de véhicules connectés qui est, qui est grandissant. Alors justement, Samira prenait un terme tout à l'heure qui est la crise de l'attention. Comment vous travaillez justement pour avoir toujours, parce qu'on est, on l'a dit, ultra sollicité. Euh, on se dit, on reçoit des courriers, des emails, euh, et voilà, comment on réussit à, à travers tous ces messages à, à sortir, euh, bah, trouver, est oui, le bon. Euh, euh, le bon canal qui ne va pas saturer le client, qui... le bon message. Ouais, je là, là encore, on travaille plus sur l'information utile autour de nos produits. Mm -hmm. Donc en 2030, euh, Stellantis va représenter à peu près 34 millions de véhicules connectés. Donc on investit massivement dans ces canaux-là. Ouais. On a cette chance d'avoir un produit qui est connecté avec un écran dans la voiture, avec un, avec un lien direct et avec la faculté de développer. C'est 2030, 2030 En 2030, ce sera ça. On aura 34 millions. Ouais. Et donc, euh, au travers des, des 14 euh, marques, finalement, on maximise l'usage de ces canaux pour apporter plus de services et plus de services tout au long du cycle mm -hmm. de vie du, du, du véhicule, finalement. On recrute aujourd'hui, au sein de nos, nos différentes entités digitales, on recrute à peu près une centaine d'ingénieurs, software et data par mois. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui investissent euh, sur ces sujets-là pour améliorer constamment l'expérience client. Et on, on, par an, ce sont des milliers de mises à jour à distance qu'on fait de nos véhicules pour optimiser, là encore, le mmh. produit en lui-même et à l'expérience qui, qui... Et, et donc, vous avez, vous avez cet équilibre aussi, on le disait pour chacun, chacun enfin, tous ceux qui sont présents autour de cette table, de la communication euh, voilà, promotionnelle et puis de la communication éditoriale. Euh, voilà, c'est un peu... Bien sûr, on continue on à accompagner nos, nos lancements, nos 14 marques, les, les lancements véhicules et puis euh, l'image de marque à plus long terme. Donc, il faut jongler entre le court terme mm -hmm. et puis le long terme. C'est important dans, dans, le, dans, le, dans le monde automobile en particulier. Et puis on a cette chance d'avoir ces, 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 euh, ces produits connectés et de pouvoir rester attractif. Et pour ça, on utilise la data plus pour améliorer le produit ouais. et la connaissance client, c'est comment est-ce que nos produits véhicules sont utilisés, dans quelles conditions, pour pouvoir améliorer sa en lui-même et pour pouvoir l'améliorer sur des véhicules que vous avez déjà. Et ben là, on va pouvoir le mettre à jour à distance et massivement pour vous permettre d'avoir accès aux dernières innovations. Euh, Samira, je reviens à instant. oui, sur le thème de crise de l'attention. La, de, de euh, donc, on a vu ce que pouvait euh, apporter euh, la Poste. Mais justement, comment on s'en sort avec toute cette infobésité -là On parlait tout à l'heure de, de ces 1500 sollicitations euh, par jour. Hein, par jour, on est ouais. tous sollicités effectivement par 1500 euh, stimuli par jour. Bah, on s'en sort justement avec de la data, puisque comme je disais, c'est ce qui permet de mm -hmm. cibler euh, plus correctement. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, parce que la Poste solution Business, donc, on a la chance d'avoir beaucoup de data postale et digitale. Hein. On a quand même 42 millions d'individus géolocalisés on a 26 millions de de poête aux lettres. Mais moi, je crois que ce qui compte surtout, c'est le bon mix. Enfin, on est tous d'accord pour dire que ce qui compte, c'est le mix. C'est le bon dosage entre le digital, entre le courrier, entre le réseau physique. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'empiler les, les, les messages publicitaires, hein, parce qu'à cause de cette saturation qui est réelle et qui va s'empirer. Il ne faut pas saturer, en fait. Ce qu'il faut, c'est être audible et pertinent. Et c'est pour ça que la post-solution business, nous, on a, on a des packages de solutions hybrides euh, que, sous le chapeau de Inside Home. Mm -hmm. hein, parce que le domicile, une fois de plus, on y voilà, croit oui, et on pense le, bah, que c'est important. De cette émission, voilà Donc, <laughs> ces solutions hybrides hein, euh, sous le chapeau d'Inside Home, bah, c'est vraiment la combinaison, tu disais tout à l'heure, une expression que j'adore, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire à la fois la, la puissance du digital bien dosé et raisonné. Hein, euh, mm -hmm. Donc, euh, par exemple, un emailing pour aller recruter de nouveaux clients table ou de nouveaux clients et délivrer surtout des messages personnalisés hein, aux clients euh, snack Darty. On peut proposer la collecte de, de data postale en fait dans le même dispositif et un emailing et une collecte de data postale et puis une petite suppression pour être en top of mind de ces clients par du courrier publicitaire. Et là on cible davantage on arrive en arrivant en suppression en respectant euh, une fois de plus. Ce consommateur qu'on ne souhaite pas submerger de messages. Et puis voilà, j'aimerais bien aussi parler du, du courrier connecté parce que oui, le courrier se révolutionne. Nous aussi, on apporte de l'innovation et on a un courrier augmenté, donc avec de la réalité augmentée. Vous savez que c'est vraiment mmh. le sujet qui va prendre beaucoup plus d'importance dans les mois et dans les années à venir. C'est déjà le cas. Donc voilà, aujourd'hui, on a de nombreux clients qui, qui utilisent la possibilité d'envoyer un courrier à, leur, à, leur, à leurs encartés, à, 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 aux inactifs par mmh. exemple. Et donc euh, voilà, on fait un petit QR code, on scanne et puis d'un coup on a le, le canapé dans le salon, on a la télé dans le salon. Alors ça, ça justement, c'est tous ces nouveaux moyens de communication. On parlait tout à l'heure, euh, Romain chez Etam, de ce défilé, mais le défilé, il vous sert aussi. Vous faites parler des clientes et puis vous envoyez ces petites vidéos. Euh, c'est ça aussi hein, pour créer cette, cet effet de durabilité dans la relation client. Bah effectivement, c'est un des événements très forts sur lequel on capitalise. Et l'enjeu, c'est comment on part d'un événement qui est finalement euh, physique, très réel, ancré, ancré dans la réalité. Qui fait parler de lui d'ailleurs, on en parle Exactement. de plus. En plus ouais, c est, c est euh, de pour ensuite aller le médiatiser, attirer l'attention ouais. de la cliente sur bah, tous les leviers qu'on connaît tous, que ce soit via euh, le CRM, euh, nos, notre programme de fidélité interne, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, notre enjeu autour de ces événements-là, c'est de créer bah, de la désirabilité grâce à des messages de marque, mais aussi via ce qu'on appelle de la réassurance communautaire. Et c'est mm -hmm. comment. Bah, des clientes, euh, des influenceuses, etc. vont s'exprimer sur le défilé pour apporter, euh, pour apporter un message complémentaire. On à appelle celui de la, la préférence de marque un peu, c'est ça, ça l'idée Exactement. Et je pense que ce qui est important dans, dans des événements comme ça, c'est aussi de, bien sûr, créer de la désirabilité, mais aussi de créer de l'accessibilité. Je prends l'exemple de, du dernier défilé, où à chaque fois la collection est, est disponible tout de suite après le défilé. Mmh. On arrive même à le, retran, à le retransmettre en live, tout en rendant les silhouettes 100% accessibles pendant qu'elles défilent. Oui. Donc c'est toujours cette balance une fois de plus entre désirabilité, et accessibilité. Je pense qu'il fait notre force. Oui, et puis je, et je reprends mon terme là, je, sur la préférence de marque qui, qui vous permet justement de vous démarquer par rapport à d'autres acteurs du web qui jouent sur les prix. Voilà, on sait que certaines marques ont été décriées, mais euh, enfin sur leur impact environnementale Mais euh, voilà, c'est là aussi où vous devez vous démarquer, montrer que vous faites les choses différemment, que, vous, <coughs> que vous, vous vous tenez compte du client de façon un peu différente. Exactement, et bien sûr que le prix reste très important, surtout dans le contexte qu'on connaît tous, mais euh, je pense que ça permet aussi de s'exprimer sur euh, une fois de plus le produit, sur le savoir-faire du groupe, euh, mm -hmm. euh, qui, qui est un savoir-faire qu'on a quand même depuis 1916. Et une fois de plus, c'est ces événements-là qui, qui, euh, qui, qui centralisent toutes ces, euh, toute cette, euh, cette différenciation par rapport à d'autres marques concurrentes euh, qu'on peut avoir. Maxime, justement chez Fnac Darty, comment vous la créez cette relation durable on dit, Alors, il peut y avoir des événements physiques, en hein, rencontre des auteurs, des choses comme ça. Si je parle de la Fnac. Euh, mais voilà, comment vous réussissez à, à maintenir ce contact Et puis il y a le domicile, puisqu'on oui. parle du Home Sweet Home. Euh, c'est vrai que nous, euh, via nos enseignes FNAC et Darty, on rentre dans le domicile des clients. Ils nous font cette confiance-là parce qu'on livre des produits, parce qu'on installe des produits, parce qu'on répare des produits. Euh, ça, c'est environ 3 millions. D'instances euh, tous les ans pour nous où on va chez le client mmh. et où le client nous, nous accorde cette confiance-là. Euh, la confiance étant une valeur évidemment très importante euh, chez Fnac d'Arty, nous, notre, notre devoir dans ces cas-là pour, pour créer une relation durable, c'est de, de respecter cette confiance en pas forcément en, en, en utilisant cette opportunité un peu immédiate comme une opportunité commerciale, ce qui pourrait être le cas parce qu'on sait que. Être chez les gens, on, et on en a parlé, c'est très important, mais pour construire cette relation avec un conseil d'entretien, avec un client qui va nous dire J'aimerais bien changer cette machine, et qu'on dit dise bah, Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de la réparer enfin, voilà, travailler euh, la confiance qu'ils ont en nous, en, en notre expertise, et donc travailler la fidélité. Et on parlait tout à l'heure de, de lifetime value, et donc c'est quand on travaille cette fidélité sur le long terme. Qu'on dégage de la valeur sur le long terme sur mmh. chacun de nos clients. Et puis mettre en relation les clients avec les, les, les uns avec les autres aussi, pour ceux qui sont un, un peu ouais. plus bricoleurs ou réparateurs. Surtout aujourd'hui, on, on, on fait beaucoup attention à tout ce qui est reconditionnement, réparation. Euh, on conclut, euh, Samira, beaucoup d'enseignements pendant cette émission. Euh, donc le. le... Le, le but, c'est d'aller au magasin, mais c'est aussi de commander chez soi. Enfin, voilà, on est enfin arrivé. Enfin, mais je qu'on est qu enfin arrivé quelque part à ces vos marques qui sont des marques ombrelles. et puis le, ben, le client, après, il, il selon ses, ses humeurs, selon le temps, selon l'époque, il va en magasin, il, il est chez lui. Exactement. En fait, on est dans les deux mondes aujourd'hui. On est à la fois dans le monde physique, à la maison, sur son canapé, où on a besoin d'informations pour échanger avec des proches. 86% des décisions se prennent au domicile, donc on est sur son canapé. Et en même temps, on est aussi dans le monde du digital et du virtuel, donc les marques doivent être. Absolument, dans les deux, on ne les oppose pas et la Poste Solution Business nous propose vraiment d'être le meilleur des deux mondes dans un marketing qui est raisonné et, euh, et oui, raisonnable. Parce qu'on n'a on pas abordé ce thème-là, mais évidemment, en filigrane pour tous, il y a ce, ce, cet impact environnemental, vous en êtes tous parfaitement acteurs euh, dans, dans chacune de vos, de vos démarches euh, aujourd'hui auprès des clients. Merci, Merci à tous les quatre, Merci. Samira Boigny, la Poste Solution Business, euh, Maxime de Fnac d'Arty, Romain euh, euh, Etam et Groupe Etam, de façon générale, et Pierre Lecointre de Stellantis. Merci. D'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a apporté beaucoup. un peu d'éclairage sur ces nouveaux comportements d'achat. Et puis, bah, si vous nous regardez confortablement assis au fond de votre canapé, bah, c'est peut-être le moment voilà, d'aller voir les marques qui sont ici et d'aller peut-être choisir votre prochain canapé, vos prochaines lingeries ou pourquoi pas votre prochaine voiture. Excellente journée sur BFM Business.